Question numéro 45. Sarah has 450 roupies. She uses 180 roupies to buy 9 pencils and 7 pens. Sarah en a 450 roupies. Les filles servent 180 roupies pour acheter 9 crayons papier et 7 plumes. Each pen costs 3 times as much as a pencil. Chaque plume les coûte 3 fois un crayon papier. En d'autres mots, une plume les coûte 3 fois un crayon papier. Première partie, find the cost of one pen. Rôde prix une plume. Comment nous faisons ça? Bon, une de même façon, nous faisons lire là. Les fins servis 180 roupies pour acheter 9 pencils et 7 pens. Un pen lit 3 pencils. Vous avez trouvé ça? Un pen, c'est 3 pencils. Mais 7 pens, combien de pencils est-ce pour venir? Simplement, on fait 7 fois 3. Combien nous gagnons? 21. Ça veut dire, moi, que c'est mon bureau de Jésus là. Mon bureau de Jésus qui 7 pens est équivalent à 21 pencils. N'est-ce pas? Mais 9 pencils et 7 pens. 7 pens, ça c'est 20. 21. Mais en tout, combien de pencils nous sommes capables de gagner avec 180 roupies? Avec 180 roupies, nous sommes capables de gagner 21 plus 9. C'est 30 pencils. C'est-à-dire, nous sommes capables de dire que 30 pencils, c'est combien? 30 pencils, c'est 180 roupies. Mais un pencil, comment tu peux venir? Et tu peux faire 180 divisé par 30. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire, mes enfants? 0, 0 coupé. 18 divisé par 3, c'est combien? C'est 6, n'est-ce pas? Ça veut dire un pencil, c'est 6 roupies. Mais pen, comment ça? Un pen, qui nous connaît, nous? Un pen, c'est 3 fois prix de un pencil. Ça veut dire qu'il peut venir. Il vient 3 fois 6. 3 fois 6 roupies, parce qu'un pencil, c'est 6 roupies. 3 fois 6, c'est combien? C'est 18. Réponse pour venir, 18 roupies. Réponse qui est venue, 18 roupies. Sinon, une autre façon. Comment est-ce que je peux faire? Sa plume, les 3 pencils. Ça veut dire, si tu es d'accord, moi, 3 pencils, c'est une plume. Et si nous avons 9 pencils, est-ce que tu es d'accord, moi, ça 9 pencils là, est équivalent à qui ça fait? Nous faisons 9 divisé par 3. L'équivalent à 3 pencils, n'est-ce pas? Ok. Ça veut dire avec 180 roupies, nous sommes capables d'acheter 9 pencils, 7 pence. À 9 pencils, là, nous disons l'équivalent avec 3 pence. En deux mots, avec 180 roupies, nous sommes capables d'acheter 3 pence et 7 pence. C'est faire 10 pence. Nous sommes capables de finir de dire ici que 10 pence, c'est 180 roupies. Mais 1 pence, qui peut venir? Simplement, 180 divisé par 10. Faire combien? Et faire 18. Ok? Allez, deuxième partie maintenant. How many pens could Sarah buy with the amount of money remaining? Quand je te plume, Sarah, tu es capable d'acheter avec l'argent restant. Ah, restant, que ça veut dire ça? Pas oublier, Sarah, tu en as 450. Les fins servis 180. Mais comment casse-les rester? Ou tu en as 450? Ou une service 180. Mais comment casse-les rester? Que vous avez fait? 450, retirer. Retirer combien? Comme une servie. Pas vrai? Qu'est-ce que nous devons faire? 450, retirer quand c'était qu'une servie. 450, retirer 180. 0, retirer 0. 0. Ok? 5, retirer 8. Pas capable. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend prêter le côté. 23. Et c'est 10. 10, retirer 8. 2. 2 plus 5. 7. Ok? 7. Ensuite, 3, retirer 1. C'est 2. Combien est-ce qu'il restait? 270 roupies. Restez. Money remaining. Money remaining, c'est combien? C'est 270 roupies. Bien bon. Mais question, c'est quoi? C'est combien de pence Sarah capable d'acheter avec l'argent restant? Un pen, c'est combien? Un pen nous fait gagner 18 roupies. Combien est-ce qu'il restait? 270. Mais avec 270 roupies, combien de pence nous capable de gagner? Un pen, combien? 18. Combien de casse-t-il 270. Combien plume nous capable de gagner? Combien peine nous capable de gagner? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire 270
Tu vises pas du suite, n'est-ce pas, mes enfants? Bon, ici, c'est un man de bons enfants, tu connais tape directement les finis fallis, n'est-ce pas? Qu'était bien qui tu peux faire? 18 divisé par 9, 2. 270 divisé par 9, 27 divisé par 9, 3. 0 divisé par 9, 0. Là, tu veux une 30 divisé par 2 qui tu peux donner nous? 15. C'est-à-dire qu'il reste 15 plus. Ok. Mais fait que moi, je m'appelle fait, mon parcours connaît une table. 270, 18, je connais mon capable divisé par 3. Allez, moi, divise par 3. 18 divisé par 3, c'est combien? C'est 6. Ok. 270 divisé par 3. 27 divisé par 3, c'est combien? C'est 9, 0. Ok, pas que mon cas divisé. Divise par 3, combien les enfants? 6 divisé par 3, c'est combien? C'est 2. 90 divisé par 3. 9 divisé par 3, 3. 0 divisé par 3, 0. Il vient 30 l'audé qui vient? 15. C'est-à-dire, avec l'argent restant, comme peine, ça sera capable d'acheter, de cas acheter 15 pence. Ok? Fais un petit récap, comment est-ce qu'il vient faire ça? Première partie, nous peut dire que 180 roupies, nous cassons 9 pencils et 7 pence. 1 pence, c'est 3 pencils. Mais 7 pence, c'est combien de pencils? C'est 7 fois 3, 21. C'est-à-dire 9 pencils et 21 pencils. Fait combien? 30. C'est 30 pencils, 180. 1 pencil vient combien? 180 divisé par 30, nous gagnons 6. Mais 1 pence, c'est quoi? C'est 3 fois. Là, nous faisons 3 fois pencils, 3 fois 6, de nous 18. Et puis en bas, combien de pence, ça va qu'à l'argent restant. Comme ce qui nous a fait, nous avons un coût, combien qu'est-ce qui est resté? Il y a 450, nous servons 180. Mais combien qu'est-ce qui est resté? 450 retiré 180, nous gagnons 270. Et là, avec sa 270 roupies là, combien de pence il est capable d'acheter? 1 pence, 18. Puis avec 270 roupies, combien de pence il est pour gagner? Nous faisons 270 divisé par 18. Nous gagnons réponse 2, 15. Réponse 8, 15.